rien d'ouvert. Wow, ok. On n'est pas comme ça, les gars. Salut à tous, Olson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre Let's Play, tout savoir sur Project Zomboid. On était prêt à partir pour une autre ville. Je sais pas encore où, on verra. Je vais faire vite fait un petit tri au niveau de mon inventaire, histoire de pas me surencombrer quand même. Ça, en vrai, j'en ai pas trop besoin. Ça non plus, ça non plus. Ça, je vais peut-être le garder en vrai. Ah, la pioche, j'ai envie de la garder avec moi, on sait jamais. On sait jamais. La pile, non. Les cartouches, on s'en fout, même le ruban adhésif en vrai. Ah merde, je l'ai pas mis au bon endroit. Hop là. Allez, ça c'est bon. Allez, ça devrait le faire. J'ai ma pioche qui m'encombre, mais au pire on a le véhicule. C'est pas très grave. Par contre, va falloir arrêter d'abîmer ma porte, les gars. J'en ai marre. Laissez-moi ça. Allez, on se casse. On se casse. Alors, on va pas à Muldro. On va aller plutôt même à l'opposé. Et on verra bien. Vous savez quoi, on va aller... la station essence, parce qu'il y a quand même pas mal de magazines à la station essence. Avec un peu de chance, trouver ce que l'on cherche. Il y a du monde là. Ok. J'ai pas prévu ça. Donc quand il y en a trop, fuyez. Longez les murs. Meilleur moyen de les semer. Hein. Bien souvent il s'attaque aux fenêtres. Voilà, on va les attraper. Chose intéressante là, mais on va essayer de pas rameuter le groupe entier en une seule fois. C'est quand même nombreux. Oh, regardez, c'est mignon, ils se regardent. Tiens. Ils sont en colère. Où ils sont en colère. Fusil à pompe, ça c'est pas mal. La porte va pas tenir. Hein. Il y avait une matraque. Enfin, les portes vont tomber. Être rigolo, hein.
va faire le groupe d'en bas là, je sens qu'ils veulent venir. Ils veulent rejoindre la fête. Avant qu'ils m'attaquent par derrière. Hein. Je vais m'en occuper maintenant. Ok, là ça va, ils sont que 3. Ils étaient 3. Bien intéressant. Moi le full vert comme ça, franchement, quand c'est assumé, madame, je trouve c'est sympa. Tout admiratif. Voilà. Est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? Je ne crois pas. Ok. Évidemment, on me laisse pas travailler. Je voulais décharger, je voulais récupérer un peu les mines. Pas forcément beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Hein. Il y en a un autre ici. Et lui, il a rien. Okay. Allez, c'est parti. On va au moins trouver aussi de la bouffe. Bon, les cigarettes, j'en parle même pas, mais on en a pas besoin. Hein. C'est vrai que les stations-service pour les cigarettes, c'est pas mal aussi. La bouffe, la malbouffe, hein, mais la bouffe. La bouffe quand même. Hein. Je prends de quoi tenir vite fait, mais en vrai, c'est pas ça que je suis venu chercher. Alors des cartes, putain, ouais, c'est vrai que les cartes, c'est pas mal. Il y en a pas mal ici. Je crois qu'on les avait déjà regardées toutes. Par contre, il y a des cartes à noter. Pour Louisville. Et pour Muldrow. Ok, c'est pas mal. La télé et la bière. Ça me manque. Honte de merde. Ok, la sécurité de l'ab. Des armes à feu. Hmm. Très intéressant. Bon, c'est intéressant, mais on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Et ça, ça casse les couilles. Et j'ai faim. Bon. L'avantage, c'est qu'il y a à bouffer ici. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, bah écoutez. Un peu en surcharge, hein. Peut-être mettre des trucs là-dedans. Ce que je vais pas forcément utiliser de suite. Allez, parfait. Bah écoutez, on va reprendre la route. C'était pas génial, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a là-haut d'ailleurs là ? C'est parce que c'est... Ok. Les gars, je suis un peu perdu, je dois vous dire. Où est la ville que je cherche? Je sais plus. Moi, je dirais plutôt là-haut. Hmm, pas forcément. Ah si, elle doit être là-haut. Putain, comment je suis perdu comme ça là. On va prendre vers le haut. Si on ne trouve rien, ce sera vers le bas. Hein. Ouh, ça sent le... Ouais, ça sent vers le bas là. Merde. Bon.
Écoutez, my bad. Ouh, c'est qu'on va abîmer le camion à ce rythme-là. Allez, on y croit. Hein. Bon alors après il y a les villes principales, mais ça veut pas dire qu'il y a que les villes principales. Vous pouvez vous amuser à fouiller partout sur la carte, il y a des lieux insolites qui sont cachés un peu à droite à gauche. Que ça soit des petites fermes, il y a des petites maisons, voilà, quand vous voyez les boîtes aux lettres, c'est qu'il y a une maison au bout. Donc il y a plein de lieux que vous pouvez explorer. Moi bon, je vous avoue que j'ai pas vu le quart de la map. Hein. Je crois que j'ai fait à peu près toutes les villes principales. J'ai fait aussi quelques villes modées. Je me demande si je suis pas parti du mauvais côté. En même temps, je crois pas qu'il y ait grand choix. Oh, ils étaient groupés, eux. C'est bon signe, là, il y a des panneaux. Un stop. Ah, si, c'est bon, on est arrivé. Ah, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi je doutais là. Je doutais sur l'emplacement de la ville. La voyais plus près. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est March Ridge? Je crois que c'est ça, hein. C'est une ville qui est bien peuplée d'ailleurs. Je crois qu'il y a largement de quoi faire ici. On va essayer d'aller vers la zone co. Avant de plus avoir d'énergie. C'est vrai que le quartier est sympa ici. C'est vrai que la ville est impressionnante. Des sacrées boutiques. Des sacrés bâtiments. Il y a sacrément du monde. Et moi ça. Oh, il est joli 4x4 là. Regardez la taille des bâtiments là. C'est... Attendez. Appartement militaire, c'est ça? J'ai jamais fait gaffe. Je connais trop peu cette ville alors qu'elle a l'air trop bien. Attendez, appartement militaire. Ça mériterait d'être fouillé, non ça? J'ai trop envie de fouiller. Trop envie de fouiller. Non. Bon, le temps. Laisse-moi le temps. Ça retrouve. Hein. Carrément bien, non? Duct tape, c'est trop bien. Mais il a l'air d'avoir des trucs ici.
On va falloir laisser fermer. Ah. Ouais. Je vous conseille de venir ici hein, si vous voulez des armes. Parce que c'est ici qu'il faut venir. Hein. Une machette quoi les gars. Ah le marteau qui nous manquait. Bon marteau. Mais en vrai s'il y a des armes partout comme ça c'est abusé. Et là, la vitre a été pétée. C'est abusé tout le loot qu'il y a. J'étais jamais venu ici. J'étais jamais venu. C'est... Je suis débile, moi. J'étais jamais venu ici. Ok. Contre, va falloir fumer, monsieur. D'autres machettes, sac de randonnée. Ok. Ça, on va porter directement sur le dos. C'est un meilleur sac. Quand il va falloir dégager le premier sac qui est où? Qui est là. On va mettre par terre, histoire de tout transférer. Ce lieu est fou, hein. Est fou. Et puis je prends la deuxième machette. Il y a trop de loot là. Et après il y a un étage, je crois. Ça y est. Si tout est comme ça là. Trop de loot. Oh là là. J'arrive pas à déterminer où ça tape. Oh mais c'est indécent tout ça. Il y a beaucoup trop de choses. Je pense que c'est trop bien hein, mais... C'est vrai qu'on n'est pas venu pour ça à la base. Bien que c'est accéléré un peu. Kit de couture. Okay.
sortir par là. Ouais, on va sortir tranquillement. Alors là, il y a de quoi vraiment looter de fou, mais c'est pas là qu'il faut qu'on aille quoi. Même s'il y a de quoi s'armer très très bien là. Ah, y a du monde là. D'où sortent tous ces gens? Expliquez-moi. C'est un truc de fou. Ils arrivent des étages en fait quoi. Il doit y avoir un loot dans les étages là. Oh, ça doit être abusé. Allez. Peu importe. Nous, on n'est pas là pour ça. Même si je pense que... C'est pas mal de s'y installer ici un jour. La ville a l'air bien costaud. Là, on est plus dans le quartier résidentiel, donc c'est pas là qu'on va. Nous, on veut des commerces. Là les commerces ouais. Pas vraiment des commerces ici hein. Ah si, ici on y est là. Qu'est-ce qu'on a là? Travail in scud. Ok. C'est une école de conduite. Pharmacie, medical center, bon, pour les médocs, vous savez où aller maintenant. On a un truc de cassette vidéo ici, pourquoi pas. Il en manquait quelques-unes. Ah, il y a une station essence, donc on va y aller. Peut-être trouver les magazines qu'on cherche. On a un food market ici aussi. Bon, de toute façon tous les magasins sont là j'ai l'impression. Bon par contre on va littéralement se faire découper. Découper parce que là on est fatigué. Donc là vous savez ce qu'il faut faire, longer les murs. Hein. On est fatigué. On a très très peur. Tu m'étonnes, t'as vu ce qu'on a devant là. On longe les murs, ne vous inquiétez pas. On va remonter tranquillement par là. Donc là le but quand vous êtes comme ça là, vous êtes fatigué, bon vous rentrez pas dans une boutique. Hein. C'est pas le moment où vraiment faut savoir où vous allez.
Là, je dois pas m'arrêter. Potentiellement, il y a toute l'équipe qui est derrière. Pas trop où aller. Faudrait m'éloigner un petit peu de la foule. Est-ce que c'est gérable ça? Je pense pas. Hein. Y aurait pas la fatigue. Ça irait crème. Pas de café. Ouais, si ça va le faire. Il y en a d'autres quoi. Là, on est pas mal. On est pas mal. On se fait une cigarette. Tant que ça soit l'horreur. Est-ce qu'on va pouvoir dormir ici? Je sais pas où dormir en fait. Est-ce que je vais dormir dans une boutique? Arrière boutique, mais il n'y a pas d'issue. Mais tellement de choses. Je ne peux m'empêcher d'y aller. Donc ça, vous faites pas, hein, vous. Parce que là, une horde rentre, c'est terre. Miné, ciao, bonsoir. Bon, écoutez, on est arrivé à l'endroit où on voulait. Maintenant, il va falloir se trouver une place pour dormir. Hein. En vrai, il y a une école ici, là. Donc, l'école, vous connaissez beaucoup de livres, voire des magazines. Donc, ça va être notre objectif. Oui, je sais, vous allez vous dire, il y a beaucoup de monde là quand même. C'est gérable, c'est gérable. Surveillez la fatigue surtout. C'est ce que vous vous dites. Hein. Là, on est essoufflé. Ouais. Allez, on a peur, on est essoufflé, on a la totale. On va essayer de les semer à les voitures. On va essayer de relonger les murs, mais je sais qu'il y a une horde en bas. Voilà, on peut pas. Donc l'objectif, ça sera le collège. En attendant, on va essayer de s'isoler quelque part. Compliqué cette histoire. Il y a une horde ici aussi, j'ai vu. Il y en a un qui est en train de taper comme un bourrin sur la porte. Il y a un rampeur ici. Si on peut arriver à les semer avec les voitures. Au final, dans le collège, il n'y a plus grand monde. En tout cas, pas devant. Rien d'ouvert. Wow, ok. Prenez pas comme ça, les gars. En vrai, si on arrive à rentrer dans le collège, il y a un étage. Community Center. C'est pas un collège alors.
Il y a du monde dans ce village. Bon là, je sais ce que vous vous dites. Le gars, il a ramené la ville entière. Mais... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Hein. Là, maintenant, je sais comment fonctionne ce bâtiment. Il y a des grilles ici. Là, j'ai de quoi dormir. En vrai, on va essayer de traverser par là, là, et ressortir par là-bas. Bon là il faut pas se louper par contre. Parfait. Ok là on est bien. Faire gaffe ici parce que voilà, je savais qu'il y avait celui de tout à l'heure là qui avait pété la fenêtre. Ok, okay. Donc là c'est pas un bon move. Il n'y a pas de porte. Je pense que c'est en haut que ça tape. Hein. Je vais voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Oh, 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 regardez. Voilà, la zone, là elle est finie la zone là-bas. Je peux peut-être arriver à dormir là en vrai. Ça tape mais je pense que ça tape en haut. Vas-y on tente. Vas-y on tente. Ah merde, il y a trop de bruit. Oh putain. Ah, il y a tellement de bruit avec les zombies que... Ils kiffent pas quoi. Putain. J'ai pas... J'ai rien du tout là. Antidouleur. Ouais, j'ai rien là. Ah ouais, ok. Ils étaient où eux en fait? C'est à cause d'eux que je peux pas dormir. Hein. Les portes elles bougent pas. Ok. Ça va. Ah mais c'est là. Attends, il y a des trucs là. Ok. Ah ouais. Ah ouais, c'est grand. Ok. Je comprends la suite du bâtiment. Moi les gars, je suis fatigué donc... je peux pas prendre part à tout ça quoi. Il est où l'escalier qui monte à l'étage là? Je vais trouver du café, sérieux. Ok, là ça tape là.
Ça rigole pas ici, hein. Bon, le problème, c'est toujours pareil, c'est la fatigue. C'est la merde. Essayer de mettre de la distance entre eux et moi. Ok. Un, ça va, c'est pas grave. D'avoir du monde là. Ça arrive de tous les côtés en vrai. Oh le con! Ah, il a réussi à me péter la jambe ce con. Ah, j'étais super loin pourtant. Ok. Bon, là on panique pas. Allez, on se casse. On est peut-être pas mort, les gars. Mais bon, ça sent pas très bon cette histoire. Bon, alors, dans cette situation, que faites-vous? Réponse 1, vous courez comme un dératé jusqu'à épuisement et puis vous faites bouffer par 600 000 zombies. Réponse 2, vous essayez de mettre. J'essaie. Bon, réponse 2, vous essayez de mettre un maximum de distance entre vous et les zombies. Réponse 3, la réponse 3. Allez les gars, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. C'est juste une petite égratignure. Le con, il m'a chopé, je pensais qu'il serait trop loin pour me choper. Moi, c'est la fatigue qui me fait un petit peu peur. Hein. Enfin, je trouve un endroit pour dormir, en fait. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il continue à me suivre. Hein. Ok. Donc là... Il y a des palissades. Ça va peut-être être la seule solution pour me sauver le fessier. Sauf que je boite. Je suis trop lourd. Il y a une sacrée prise de risque. Sachant que derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Dans tous les cas, va falloir essayer de rejoindre le quartier au bout d'un moment. Quartier résidentiel, ce serait pas mal. Bon, le problème du quartier résidentiel, c'est que ça va être compliqué pour me battre. Ou alors... Qu'est-ce qu'on a là? Super clean. Peut-être que super clean, il n'y a pas trop de monde. Pas un lieu... Ouais, mais non, il y a trop de fenêtres. Mais pardon, mais... Toujours plus, hein. Okay. Là, on a réussi. Oh, putain. Non, non, on n'a pas réussi. J'avais pas vu ça, là. Il va falloir qu'on rentre à un moment donné. Dans un des apparts. C'est notre seule chance. On va allonger les fenêtres et les portes. On s'ouvre, on va pas dans celle-là. Il faut notre accès.
Mais on va peut-être pouvoir les gérer. On va essayer de privilégier le multicoup. Qu'on puisse se reposer là. J'ai un petit peu peur ces apparts là. Et c'est traversant, donc déjà c'est pas mal. Déjà ici, c'est safe, c'est en haut que ça tape. Ok, c'est cette porte. On est essoufflé et on a la fatigue à mort là. Mais bon, cela dit, quand on est seul, ça va, ça se gère. J'arrive pas à déterminer si ça bouge en bas. Ça tape en bas. Ça a cassé des trucs en bas, on est mal. Hein. Ça va. Ça tape partout sur les apparts d'à côté quoi. Allez, on dort. Non, on peut pas. C'est pas assez sûr. Ok, t'es sûr de toi? T'es quand même très fatigué quoi. Putain, j'arrive pas à dormir. Mettre la salle de bain à péter. C'est la merde, hein. Nettoyer la zone, hein, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'ils m'ont vu, hein? Attendez, j'ai vu un truc. C'est un magazine électronique. Herboriste. Non, les chasseurs non plus, c'est pas ça qu'on veut. Ok les gars.
en découdre. Parfait. Là, ça devrait être un peu plus calme du coup. Pas l'impression qu'il y ait du bruit. C'est Wenteng. Et tout va bien, on monte. Ah, ça tape. Pas là. C'est pas là, donc ça veut dire que c'est en bas. Ça tape encore. Somnifère. Ça m'aide à dormir ça. Magazine du chasseur, toujours pas. Putain, ça tape où encore? J'ai l'impression que c'est en bas de chez nous. En vrai, c'est où que ça tape? J'aimerais bien dormir les gars moi. Allez, on va là-haut. J'ai l'impression que ça tape là-haut. Vous savez quoi, on va prendre des somnifères. Ah, c'est plus possible. Dormir. Bon, les somnifères, hein, c'est radical. Bon, par contre, il faut pas qu'il y ait un zombie qui rentre dans la pièce. Et voilà. Tout simplement. Bon. La blessure, elle dit quoi? Elle dit qu'on est ok. Avec un peu de chance, on sera pas zombifié, les gars. Allez, sur ce, on va s'arrêter là. J'espère qu'on va s'en sortir. Cette ville, c'est quand même une galère. On va pas se mentir. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Olsan. Ciao.